pour les organisations syndicales, pour les grands mouvements syndicaux. On sait qu'il y a une bataille importante, une lutte importante à mener au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, la négociation du secteur public. Vous savez, ça touche 1,5 million de personnes en santé, en éducation, dans la fonction publique en général. Et nous avons devant nous un État qui est l'État employeur, qui est le gouvernement, un gouvernement qui s'acharne depuis des mois à vouloir démanteler nos services publics, à vouloir réduire des missions essentielles de l'État. Et c'est dans ces conditions-là, où les marges de manœuvre sont peu nombreuses, que nos membres doivent justifier, légitimer leurs revendications qui sont justes. Et pour le mouvement syndical, ça suppose des semaines et des mois de préparation et surtout, la solidarité et un rapport de force important pour faire contrepoids à ce gouvernement-là dans le cadre des négociations. Louise Chabot, présidente de la Centrale des syndicats du Québec.